Instagram, c'est Flo. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de ma carrière avec Stock City. Donc on se retrouve tout de suite au niveau du menu et on va tout de suite aller programmer les entraînements de mes joueurs. Donc je vais pas trop les détailler, je vous laisse observer. Juste pour info, cette carrière, n'hésitez pas à me donner des conseils à n'importe quel moment. Je les prendrai en compte, il n'y a aucun souci. Les critiques constructives ne peuvent que faire avancer la chaîne, que ce soit au niveau son, qualité de l'image ou autre. Même au niveau des joueurs, par exemple, si je titularise un joueur et que vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire. Ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire. C'est tout bénéfique pour moi et pour vous aussi parce que vous regardez mes vidéos, parce que ça vous plaît. Et si je vous propose du contenu qui ne vous plaît pas, il faut que je le modifie pour que ça vous arrange. Parce que le but, c'est de vous détendre après les cours, etc. Donc, faut pas hésiter. Donc, on a fait quelques offres pendant ce mercato. Donc, on a proposé 12 millions à Marcos Rojo, 10 millions à Marwan Fellaini, sur qui on s'était informé, et 9 millions à Sergio Romero. Andrea Pirlo aussi, qu'on a voulu recruter pour 1,8 million. Donc, on va voir les réponses durant cet épisode. Je vous laisse la surprise, j'enregistre en différé. Donc, moi, je sais ce qui va se passer finalement. Mais de toute façon, le but, c'est de vous tenir un peu en suspense. Voilà, donc on va avancer un petit peu dans le calendrier avec ce match amical face à Malaga. Et tout de suite, on reçoit les mails. Donc, Fellaini, Mourinho demande 11 millions. On a proposé 10 millions et le transfert est accepté. Donc, c'est quelque chose de plutôt pas mal parce que Fellaini pourra me servir dans mon milieu de terrain. Donc, on va lui mettre un contrat de 2 ans comme il le désire. En titulaire important, donc je pense que ça peut le faire venir, ça peut le relancer. Par contre, pour Rojo, on va me demander un peu plus et c'est là que ça va coincer. Donc je vais proposer 14 millions d'euros parce que Rojo, selon moi, il mérite pas la somme demandée par Manchester. Voilà. Donc au niveau des offres, mon mercato va peut-être s'arrêter là, je vous dis pas... Je vous dis pas tout, mais maintenant il restera un épisode où j'aurai pas fini le mercato, donc n'hésitez pas à me conseiller des joueurs à n'importe quel poste, des jeunes, des plus vieux, des moyens, on va dire, des 25-30 ans. Entre 25 et 30 ans, ça me va. Donc, au niveau des matchs amicaux, je vais tous les simuler. Les gros matchs, par contre, je vous les ferai en vidéo. Alors, New York City qui accepte l'offre pour Pirlo. Donc, Pirlo, on va essayer de lui donner un contrat de 2 ans. Parce que c'est un joueur que j'aimerais bien garder jusqu'à sa retraite. Ensuite, on va supprimer les mails afin de faciliter la lecture, etc. Voilà, voilà. Après, au niveau des transferts, voilà, je vais aller rechercher un joueur. Donc, il joue à Mönchengladbach. Donc, vous allez le voir. Donc, c'est Andrean qui m'a bien fait kiffer sur ce FIFA, on va dire, qui est un joueur assez complet finalement, et qui peut apporter un bénéfice à mon équipe si je l'utilise bien, parce que c'est un bon attaquant, et j'espère le tirer au nez de Séville, parce que bon, Séville le veut aussi, et mon but de toute façon, c'est le top 5, donc vous verrez les objectifs en fin de vidéo annoncés par le club. Moi, mon but, c'est de finir dans le top 5 anglais, etc. Voilà, donc on a fait une offre, on espère qu'elle va être acceptée, je ne sais pas encore la réponse à ce niveau-là. Voilà, donc au niveau des objectifs, c'est des objectifs assez moyens finalement. Donc moi, mes objectifs sont le top 5, les quarts de finale dans toutes les coupes, signer 3 joueurs du centre de formation en pro, et essayer de les revendre à profit. Voilà, donc le but, c'est de faire beaucoup de bénéfices, parce qu'on est Stock City, on n'a pas forcément beaucoup d'argent pour un club de BPL. Voilà, voilà. Après, sur les jeunes, on va tout de suite recruter un recruteur et l'envoyer au Brésil. Voilà, j'en profite d'ailleurs pour faire une petite dédicace à Le Mustelec. Sa chaîne sera dans la description. Petite dédicace aussi à Fio Fio, la niqueuse de race, elle se reconnaîtra. Voilà. Dédicace aussi à mon petit Théo, avec qui je suis sur la Xbox. Dédicace à lui. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à vous abonner, ça ferait super plaisir. Peace.